Bonjour, Adrienne Blattel, le programme de plein air interculturel à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre fleur que je trouve vraiment extraordinaire, qui s'appelle le petit prêcheur. Puis en anglais, c'est Jack in the Pulpit. Puis c'est encore une plante à croissance lente, qui est assez typique de nos forêts de l'est de l'Amérique du Nord, en fait. Donc, c'est une plante qui va commencer tout petit, qui va avoir plusieurs différentes phases, qui va seulement produire une fleur au bout de 4 à 6 ans et qui, tranquillement, s'il n'est pas dérangé, pourrait vraiment durer plusieurs années. Puis même en théorie, pourrait vivre jusqu'à 200 ans parce que c'est une plante qui apparaît au printemps. C'est pas la première plante à apparaître. C'est souvent plus en mai et en fin juin, en début juin qu'on va le voir. Puis ça va croître un petit peu chaque année. Après, en août, on va plus voir les feuilles. Ça va être vraiment souterraine en attendant le printemps prochain. Donc, allons-y voir sous ces belles feuilles à quoi ressemble la fleur. La fleur est assez spéciale. Donc, on va aller à la recherche de la petite fleur. Donc, déjà, vous pouvez l'apercevoir. C'est un peu zébré. Alors, ensuite, je vais aller essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la fleur. Ça, c'est un peu l'enveloppe, la protection. Puis là, au milieu, il y a une sorte de tige marron, brun foncé là. Puis la fleur est vraiment cachée sous tout ça à l'intérieur de l'enveloppe au fond. Donc pas super facile à se faire fertiliser par les pollinisateurs comme les mouches et autres. Donc, le petit prêcheur s'appelle comme ça parce que la tige brune que vous venez de voir, ça faisait un petit peu comme, ou ça fait un petit peu comme un prêcheur devant son autel, devant son audience. Puis, les feuilles, on peut facilement reconnaître les feuilles. Des fois, il y a des plantes sans fleurs. Je vais vous montrer une plante sans fleurs du tout. Donc là, on a des juvéniles, des plantes plus jeunes qui n'ont pas encore eu le temps de développer des fleurs. Donc, je vais juste vous montrer ça. Si on regarde un peu gentiment en dessous, il n'y a pas de fleurs dans ce cas-là. Donc, c'est des jeunes. Puis, en fait, comment on reconnaît ces belles feuilles? En fait, tout ça ici, s'agit d'une seule feuille avec 3 folioles. Donc en gros, c'est une feuille, mais c'est découpé en 3 parties qui s'appellent des folioles. Donc par exemple, si on a une feuille d'érable, donc là je vais trouver une vieille feuille d'érable un peu moche, mais juste à titre d'exemple. Donc une feuille d'érable, il va avoir, il est un peu découpé aussi, mais moins découpé. Donc il a 3 lobes. Eh bien, cette feuille ici a 3 folioles, donc 3 parties qui sont vraiment complètement découpées, mais c'est considéré être quand même une seule feuille. Et puis, comment on sait que ce n'est pas de l'herbe à puce? Parce que là, je viens de le toucher, alors j'ai fait le pari que ce n'est pas l'herbe à puce et que je ne vais pas avoir de démangeaison. C'est que pour l'herbe à puce, ben, y a différentes façons de distinguer. Quand on voit l'herbe à puce, la foliole dominante, la foliole qui est au milieu comme ça, avec les deux autres en face, a une petite tige qui la sépare des deux autres. Donc elle n'est pas directement attachée au centre, comme ici. Donc ça, c'est une des différences qui pourrait vous aider à distinguer à cette feuille par rapport à l'herbe à puce. Sinon, c'était utilisé pour la médecine. Il y a des parties toxiques incluant la racine. Et puis, c'est utilisé par les Iroquois pour la guérison. Et le nom en Iroquois
pour cette plante veut dire porte-bébé, parce que l'enveloppe que vous avez vue avec la tube brune à l'intérieur se ressemble un peu à leur porte-bébé traditionnel. Une autre chose que je trouve chouette avec cette plante, en fait, quand je la revois à chaque fois, c'est le nom qui a la référence un peu religieuse, et le fait que ce soit une de nos fleurs typiques de l'Amérique du Nord, dans l'Est, à croissance tellement lente, qui peut durer tellement longtemps, même des siècles. Je trouve que ça demande tellement de révérence. Puis, en parlant de révérence et de prêcheur et tout ça, je vais vous présenter un peu ma Bible dans le monde des plantes. Donc, je vais vous montrer ça. C'est la... Oups, je suis trop proche. C'est la Flore printanière par les éditions Fleurbec. Donc, ils font toute une série de livres de fleurs. Puis... on peut voir à l'intérieur qu'il y a des informations concernant cette fleur. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y a des belles photos et tout. Donc, ça, c'était une petite capsule nature concernant le petit prêcheur. Là, je suis sur le Mont-Royal. J'en vois plein tout autour de moi. Je suis dans un coin que cette plante aime vraiment beaucoup, on dirait. C'est pas trop difficile à trouver. J'en ai vu il y a quelques semaines au parc Pointe des Prairies aussi. Il y en avait vraiment plein aussi. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de les admirer. Il y en a qui commencent déjà à faner un tout petit peu, mais il y en a d'autres qui sont encore en train de grossir. Donc, c'est sans doute le bon moment pour aller les voir. Donc, bonnes explorations et on se voit la prochaine fois.